50 années se sont écoulées. J'ai voulu redonner la vie à ces images enregistrées il y a un demi-siècle, refaire avec elles cette longue traversée du souvenir que l'avion aura rendu banal aujourd'hui, retrouver chacune des étapes vers ces lieux où nous attiraient les quatre syllabes magiques, l'Himalaya. Nous embarquions sur un navire de rêve, le vice-roi des Indes, dont le nom évoquait pour nous un fabuleux empire et ses richesses, des êtres inconnus, de mystérieuses images qui nous faisaient oublier le monde que nous laissions derrière nous et qui devait beaucoup changer, le temps d'une absence. Émerveillés, nous ne nous doutions pas que le rythme de l'histoire imposerait si rapidement ses lois. 10 années et l'orgueilleux empire des Indes est condamné à un sanglant éclatement. Et dans moins de temps encore, le symbole de sa puissance, notre fier paquebot, aura sombré ici même, cible de choix pour les torpilles du sous-marin allemand U-407. Déjà l'Orient et ses palais? Non. La compagnie de Suez et ses bureaux, et son canal en jeu des luttes prochaines, bientôt nationalisé, confisqué sous les yeux de Ferdinand de Lesseps, dont l'effigie impuissante sera dynamitée par une foule en délire, lui qui pensait avoir ouvert cette brèche pour le bonheur de l'humanité. Et défilent les cargos, italiens la plupart. La guerre d'Éthiopie s'achève. Addis Abeba va tomber dans 3 semaines. Seize jours de mer. L'Himalaya est encore loin, mais l'Inde nous ouvre sa porte. Tout ce que nous ne connaissions que par les images, où les récits de voyageurs privilégiés devient réalité. Palais, mosquées, tombeaux, témoins d'une civilisation fastueuse mais raffinée, orgueilleuse mais tolérante, celle des grands Moghols, qui régnèrent sur l'Inde du Nord pour 3 siècles de grandeur. Première rencontre, belles indiennes, images qui cachent parfois sous les reflets chatoyants des saris une profonde misère. Inde de Jules Verne ou de Kipling avec ses héros, Kim et son canon, Tomai et ses éléphants, ses foules illuminées, ses temples d'or. Ces pagodes rongées par la jungle. Noyée dans cette multitude, comment ma caméra pourrait-elle distinguer le brahman du mendiant, du
jongleur ou du faiseur de tour. Vers le nord, à l'Inde des plaines succède l'Inde des montagnes. C'est le Cachemire, enfin les premières neiges de l'Himalaya, qui nous apparaissent derrière de curieuses ruines où une influence grecque classique rappelle que les conquêtes d'Alexandre s'étendirent jusqu'au cœur de l'Asie. Cachemire, carrefour de races, et Srinagar, capitale d'un État aux frontières contestées, entre le Tibet et la Chine voisine, l'Afghanistan proche, l'Union soviétique. Ce Cachemire, est-ce toujours un grand jardin tout vert, entrelacé de ruisseaux, de canaux et de lacs? C'est le paradis terrestre des Indes. Ainsi le décrivait il y a plus de 3 siècles notre compatriote et lointain prédécesseur François Bernier, médecin attitré, du grand mogol Aurangzeb. De fait, à Srinagar, tout le monde vit et travaille sur l'eau, et parfois travaille dur. Serions-nous en vacances ? Dans cette foule qui nous ignore, nous piétinons d'impatience. Toute l'expédition est réunie au complet depuis que nos Sherpas venus de Darjeeling nous ont rejoints. C'est qu'un hiver très tardif nous interdit, paraît-il, le franchissement des cols de la chaîne principale de l'Himalaya. Décision grave pour le chef d'expédition, Henri de Ségogne. Malgré les pronostics pessimistes et les menaces d'avalanche, nous partirons quand même. Adieu, paradis terrestre. Nos 600 porteurs sont sur le pied de guerre. Chacun d'entre eux convoite la charge de son voisin, supposée moins pesante. D'où une indescriptible bousculade qui tourne à la bagarre. Sur 2 cartes à la même échelle, comparons la chaîne des Alpes et celle de l'Himalaya, 2 fois plus élevée, 5 fois plus étendue. Le Karakoram s'étend au nord de la chaîne principale. Celle-ci n'est franchissable qu'au Zojila, seul accès à la vallée supérieure de l'Indus. C'est par celle-ci que nous pénétrerons enfin dans le lointain Karakoram, jusqu'au bassin du glacier de Baltoro pour y planter notre camp de base. Voilà pourquoi tous ces porteurs. Ce trajet représente 450 km jusqu'au pied du Hidden Peak. Dans quelques rares lieux habités survit une population pitoyable dénuée de tout, sauf de posséder certaines des plus hautes montagnes du globe. Notre but, c'est comme d'aller de Nice à Zurich, au travers des Alpes, avec tout ce qu'il faut à 50 hommes pour vivre 4 mois. Quelques alertes aux avalanches, dans un couloir raide et encaissé. Un véritable piège. Mon groupe passe entre 2 coulées de neige. De quoi suggérer de beaux titres d'articles à nos correspondants, à Paris.
Enfin, après un interminable plateau, le premier hameau du petit Tibet. La chaîne du Grand Himalaya est derrière nous. En quelques heures, nous passons de la neige aux roches brûlantes de la haute vallée de l'Indus. Pour quelques étapes, nos porteurs sont remplacés par des mules. Et pour nous, des chevaux, qui, nous l'espérons, sont insensibles au vertige, car ce chemin suspendu qui domine le fleuve d'un à-pic de 300 mètres est un vestige de l'ancienne route de la soie, ô Marco Polo. Pour la première fois, tous les membres de l'expédition, séparés jusqu'ici par des heures de marche, se sont regroupés. Faites connaissance avec nos compagnons. En tête, le chef Henri de Ségogne. Le Benjamin, Jean Dedon. Louis Neltner. Le docteur Arlot. Jean Léninger. Jean Carl, docteur lui aussi. Pierre Alain. Charignon. Et Jacques Azémar. La gorge du grand fleuve s'élargit. Et dans un désert de sable, notre cavalcade évoque, plutôt qu'une expédition himalayenne, les colonnes qui s'enfonçaient le siècle dernier vers le cœur de l'Afrique. Parfois, une oasis dans ce désert, où nous accueille un petit Raja de village, timide et méfiant. Voyez comme il hésite à accepter la cigarette de l'amitié, soucieux d'épargner à ses lèvres le contact impur du papier des incroyants. Nous sommes à mi-chemin de notre camp de base. À Skardu, capitale du Baltistan, habitant les Baltis, province isolée du monde, la gare de Gourka du gouverneur salue la visite des premiers Français arrivés jusque-là. Qui aurait cru que, moins de 40 années plus tard, un vol régulier relierait Skardu à l'aéroport d'une capitale voisine en moins d'une heure ? Quand il nous a fallu 25 jours de marche pour y parvenir. C'est là que s'interrompt le fil télégraphique qui nous rattache au monde. Désormais, en se relayant, quatre rapides coureurs assureront la transmission du courrier aller-retour. L'Indus traversé, nous pénétrons dans le Karakoram qui nous apparaît comme un désert de cailloux et est l'un des lieux les plus sinistres du monde. Les hauts sommets encore lointains restent invisibles. Mais issus des plus grands glaciers de la Terre, de gigantesques torrents font obstacle à la pénétration dans le cœur du massif. Première traversée à gué, non sans souffrance pour nos malheureux porteurs. Eau glaciale, cailloux roulés par le courant qui les font trébucher et blessent leurs chevilles nues. Plus tard, la fonte des glaciers aidant, à notre retour, nous utiliserons pour traverser un antique procédé.
C'est un ancêtre du canot pneumatique. Le ZAC. Radeau d'outre gonflé d'air. Manœuvré par les bateliers de la Voile-d'eau. Et le flot nous entraînera, tels des héros de Jules Verne, échappant à leurs poursuivants, au milieu des remous et des vagues dignes de l'océan. Dans la vallée taillée à pic, gronde la furieuse Braldo, qui rassemble les eaux des glaciers de Biafo et du Baltoro. Pour traverser ces montagnes, il y a de très mauvais passages et des torrents très rapides qu'on passe sur des cordes qui sont tendues d'un rocher à l'autre. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, déjà François Bernier, notre compatriote, décrivait, sans les avoir vus, les fameux ponts de corde du Baltistan. Les porteurs, déséquilibrés par leur charge, et les tourbillons qui agitent l'air au-dessus du monstrueux torrent ne passent que l'un après l'autre. Certains paniquent, s'immobilisent. Il faut aller à leur rencontre. Et notre médecin, lui-même, voici des photos qui, dans quelques semaines, disputeront à la une des quotidiens parisiens une actualité tout aussi brûlante. Nous sommes en 1936. Et descendre. Les aigles de l'Himalaya viennent nous saluer. Le dernier village, car des hommes vivent encore ici, complètement isolés, ignorant le reste du monde, qui les ignore tout autant. Ici, le billet de banque est inconnu. Nous charrions 150 kilos d'argent pour la paye, en bonne roupie sonnante et trébuchante. Mission qui revient de droit à notre chef, n'est-il pas conseiller à la Cour des comptes, à Paris? Engagement de nouveaux coulis. Il nous en faut 150 de plus, rien que pour transporter la nourriture des autres jusqu'aux grandes bases et retour. Visite médicale. Les étapes à venir seront pour eux les plus dures. À 100 km d'ici, invisible, le Hidden Peak nous attend. 100 km à couvrir pour y tracer la route, atteindre le sommet, en revenir. Toute l'énormité de notre tâche apparaît et notre responsabilité. Serons-nous dignes de la confiance de ceux qui nous ont choisis? La marche reprend. Après un défilé, d'un seul coup, c'est la tempête, permanente en ce lieu. Le sable s'insinue partout, brûlant les yeux, rayant le film dans la caméra.
s'incrustant dans les visages. C'est l'arrêt forcé et les tentes, toute la nuit, prêtes à s'envoler. Dans une vallée proche, grondent en permanence les avalanches de pierres, manifestation d'une nature en folie. Enfin, le lendemain, nous sommes devant un mur sombre, barrant toute la largeur de la vallée. C'est le front du glacier de Baltoro, avenue de glace triomphale et glacée, de plus de 60 km, encadrée de superbes montagnes que personne n'a encore osé tenter. La pierraille, la glace apparaît, imposant de multiples détours. Le troisième jour, c'est par la moraine centrale que nous trouvons le meilleur cheminement sur lequel serpente une armée de 700 porteurs. Image inoubliable. Succèdent au jour. La neige recouvre désormais le glacier. Chez nos porteurs, il y a des arrêts, des discussions, des menaces de grève. Nous ne savons pas qu'à Paris, à la même date, une grève, ici, condamnerait à mort l'expédition. Mais tout s'arrange, heureusement. Et la longue colonne des pauvres diables en loques, enfonçant dans la neige ramollie par un soleil brûlant, chaussée de chiffons, se remet en marche. Ce soir, nous découvrirons la montagne des montagnes, le pic K2, deuxième de la Terre après le mont Everest. Notre ami Neltner, montagnard, mais aussi géologue, le scrute d'un œil gourmand. Que de pages restent à écrire et de films à faire pour retracer l'histoire de ce rassemblement unique de sommets de 7 à 8 000 mètres. Beaucoup d'efforts glorieux, de victoires, d'échecs, mais aussi que de tragédies. C'est l'ultime étape. À nos porteurs épuisés, nous demandons un dernier effort. Là où ils s'arrêteront aujourd'hui, nous installerons le camp de base. C'est ce jour-là seulement que le Hidden Peak, le pic caché, qui a bien justifié son nom,
nous apparaîtra. Le sommet est encore dans la brume. À vol d'oiseau, 7 km nous en séparent. Là-haut, à 8068 mètres, plane la frontière du Xinjiang, province la plus reculée de la Chine. Les dernières charges arrivent. Devant nous, le trône d'or, dit aussi Baltoro Kangri. À l'ouest, la tour de Mustag en sentinelle au bout du glacier. Déjà les Sherpas s'affairent au montage du camp. Mais nos porteurs sont toujours là, incapables de regagner leur village, spectacle navrant que j'enregistre discrètement. Faute de lunettes et victime du soleil sur la neige fraîche, inhabituelle, l'ophtalmie des neiges les laisse aveugles pour plusieurs jours. Nos médecins vident des provisions de collyre. Les mains devant les yeux, ces pauvres diables repartent, accrochés l'un à l'autre, le plus clairvoyant guidant les suivants. On détache quelques Sherpas pour les accompagner. Sous la tente messe, montée en priorité, nous célébrons notre arrivée et en musique. Le docteur Arlo veille sur la cuisine. À 5000 mètres exactement, nos appétits exigeants et difficiles à satisfaire prouvent que notre acclimatement est plus que satisfaisant. C'est un véritable siège qui commence. Vite un croquis où j'indique le sommet et l'éperon du Hidden Sud qu'il faudra d'abord atteindre par cette nervure de rocher très inclinée émergeant entre deux couloirs de glace. Ce sera le plus long et le plus difficile. Le choix d'une voie essentiellement rocheuse est une innovation dans l'Himalaya. Du Hidden Sud à 7000 mètres, un immense plateau neigeux devrait donner accès à la pyramide finale défendue par deux obstacles majeurs, longueur et altitude. En deux jours, le Coran est installé plus proche du point d'attaque car nous avons sous-estimé les distances, erreur classique en Himalaya. Il abritera nos porteurs d'altitude et le matériel destiné à l'équipement de l'arête. Tout est maintenant prêt. 12 jours se sont écoulés. Programme prévu et exécuté. Camp 2 établi. Grâce aux efforts de Karl, de Neltner et de Charignon, un futur camp 3 est déterminé. Ce matin, pour le ravitailler et le renforcer, deux caravanes se préparent sous la conduite de Neltner, de Jean Dedon avec son joli chapeau et de Pierre Alain, toujours fidèle à son casque colonial. Le cinéaste les accompagne. Pour lui, la consigne jusqu'ici était de ne pas dépasser le camp 1 et de laisser les places dans les tentes en priorité aux cordées d'assaut et à leurs porteurs. C'est normal. Voici son carnet de route. Je touche enfin la base de cette montagne vers laquelle nous marchons depuis 40 jours. Le grand couloir d'attaque en neige dure est prestement remonté. Mais je dois renvoyer mon Sherpa qui, malade, suit difficilement et prendre la caméra dans mon sac. Première difficulté, un mur rocheux défini par Alain comme assez technique, ce qui a du poids dans la bouche de notre meilleur varapeur. Les cordes pitonnées facilitent le passage des hommes chargés. Nos Sherpas commencent à s'habituer, mais il faut les surveiller constamment. N'est-ce pas, Neltner ? La roche est friable, très fragmentée. Une traversée dans la neige ramollie et celle camp 2. Ici, Léninger et Alain
installent un treuil qui facilitera la montée des charges. C'est un vain espoir. Le câble prévu est trop court de 25 mètres. Du camp, vue imprenable sur le confluent du Baltoro et du glacier des Abruzes. Une place où la ville de Paris s'étendrait à l'aise. Le lendemain, en route vers le camp 3, en escaladant la fine nervure rocheuse et par moments le couloir de glace qui la borde. C'est à cet endroit précis que deux de nos Sherpas, peut-être ceux-là même, feront, quelques semaines plus tard, une chute fantastique. L'altitude se fait sentir. 6000 mètres. Les poumons n'ont même plus la moitié de leur ration normale d'oxygène. Il a fallu disperser les tentes, les installer en équilibre sur de minuscules plateformes. Face à nous, une chaîne baptisée par les explorateurs allemands Namenlos, les montagnes qui n'ont pas de nom. Mise en batterie de la radio, sans grand espoir, les essais ayant été infructueux jusqu'ici. J'appelle le camp de base. Du premier coup, c'est la voix de Jean Casémar, puis celle de Ségogne. Et je tempère leur joie. Passang, un de nos meilleurs Sherpas, vient d'avoir le genou écrasé par une pierre. Le docteur Arlo montera demain. Bienheureuse radio utilisée pour la première fois dans ces montagnes. Au-dessus de moi, j'entends Neltner et Dedon. Dedon se bat avec une vilaine cheminée de glace qui défend la bord du futur camp 4. Je filme l'arête qui s'élève vers le sommet de l'éperon. Il paraît tout proche. Jamais ma caméra n'était montée si haut. Comme chaque jour, orage dans l'après-midi. La mousson, paraît-il, ne sera là que dans 3 semaines. Déception, le soir il neige fort. Grimpeurs et porteurs doivent se replier sur le camp 1. Que faire sous la tente quand il neige? Dormir? Manger? Jouer? Ou écrire? En attendant le courrier. Que voici d'ailleurs? C'est bon pour le moral. Et réciproquement. Nos lettres sont en France en 3 semaines. Et si l'avion postal tombe à la mer, notre administration prévoyante excuse les timbres décollés, les mots effacés, avec le cachet spécialement prévu à cet effet, accident d'avion. Voici plus grave, la météo indienne par télégramme. La mousson se rapproche du Cachemire. Est-ce l'avant-garde ou une perturbation locale? Nous ne sommes qu'à la mi-juin. En principe, elle ne serait là que dans 3 semaines. 4 jours d'inaction. Puis le miracle. Avec précaution, la montagne se dévoile. Le brouillard se dissipe. C'est le beau temps. Malgré la neige fraîche qui couvre les rochers, l'assaut est repris. Du camp 1, qui retrouve son animation, les caravanes repartent. Les camps 2 et 3 sont réoccupés. Le camp 4 est définitivement installé avec 4 tentes. Neltner relaye la cordée Alain Léninger qui vient de planter 2 tentes au camp 5. Le soir du 21 juin, ils atteignent les pentes supérieures de l'éperon, presque à 7000 mètres. Le mauvais temps arrive pendant la nuit, c'est la mousson.
Depuis 6 jours, il neige sans arrêt. Au camp de base, c'est en vain qu'Azémar multiplie ses appels. Les camps de l'éperon ne répondent plus. Que se passe-t-il à 6000 mètres? Nous l'apprendrons plus tard. La tempête fait rage. Cramponné au mât des tentes, écrasé sous la neige, il faut lutter pour éviter qu'elle ne soit arrachée par le vent. Léninger note 17 degrés au-dessous de zéro. Quand la tourmente se calme, les rochers apparaissent plâtrés de neige et de verglas. À la base, l'angoisse règne. Inquiets pour leurs camarades, les porteurs font flotter les feuillets de prière adressés au génie de la montagne. C'est l'échec. Toute la responsabilité du chef est en cause dans un dialogue dramatique avec Neltner, Ségog du camp de base. Évacuez les camps d'altitude, sécurité avant tout. Non, il nous reste une chance. Laissez-moi, avec Jean de Don, tenter un raid vers le sommet à la grâce de Dieu. Je vous l'interdis, c'est un ordre impératif. Vous m'avez donné votre parole, je veux rentrer en France avec une expédition au complet. Je vous ordonne de redescendre à la première éclaircie. Neltner s'incline. C'est fini. Pour moi, j'ai reçu mission d'aller filmer l'évacuation de l'éperon. Départ sans enthousiasme. J'emmène 4 Sherpas. Le soleil est revenu provisoirement. Les parois crachent, coulées et avalanchent. À l'attaque du couloir, sous le camp 1, l'une d'elles gronde au-dessus de nous. Les Sherpas font volte-face. Je suis des yeux sa trajectoire. Elle balaie le couloir, cascade sur les barres rocheuses, puis s'étale à notre gauche. Dans le viseur de la caméra, des objets sombres rebondissent dans la neige. Des pierres, un sac, mais aussi 2 hommes, 2 Sherpas. Nous courons, suffoqués par l'effort, pour les dégager de l'axe du couloir. L'un est inerte, l'autre geint faiblement. 2 heures après, le docteur Arlot est près d'eux. État de choc, fracture. Après 600 mètres de chute et le saut de murs rocheux, ils sont vivants. C'est un miracle, et aussi que nous ayons été là pour les recueillir. Leur retour sera long et difficile. 2 juillet. Nous sommes tous au camp de base. Sous la neige. Une mousson précoce a privé du fruit de ses efforts une expédition française pour la première fois présente dans l'Himalaya. La suivante devrait être plus heureuse. Verra-t-elle revenir les plus jeunes d'entre nous ou ne s'ouvrira-t-elle qu'aux grimpeurs de la génération d'après? Car d'autres nuages s'amoncellent. Le jour de notre retour à Srinagar, la nouvelle de notre échec cède la place à l'annonce de la guerre civile en Espagne. Quelques mois encore et ce sera le grand conflit généralisé qui va bouleverser le monde. À côté, que signifiaient nos vains efforts sur une montagne inconnue? Malgré tout, par-delà les années et nos rêves évanouis, nous maintenions en nous de grands espoirs recommencer et réussir.